me suis rendue au musée de la chasse et la nature. J'étais toute contente parce que c'est un très beau musée. Regardez, waouh! Pour la remise du prix François Sommer 2024. Et remis à Fanny Wallendorf pour Jusqu'au prodige aux éditions Finitude. Là, il essaie de prendre une photo et ça me fait un petit peu rire. Mais la photo reste très jolie. J'ai aussi rencontré Jean-Noël Reffel, qui est très intéressant. Je suis l'auteur d'Éloge des oiseaux de passage, journal d'un ornithologue un peu perché, qui est paru aux éditions des Équateurs. Le livre est un petit manifeste de réenchantement du monde par l'observation des oiseaux. Le prix François Sommer existe depuis 1980. Ici, c'est moi et mon ours, privé. J'ai décidé. Je suis retournée le week-end pour le salon du livre. Je suis de retour au musée de la nature pour leur festival de lecture organisé par François Sommer et je suis trop contente. Là, je m'apprête à aller voir une conférence de Benoît Peters qui est un spécialiste de la bande dessinée. J'étais super contente, je suis arrivée super en avance et j'ai pas arrêté de le filmer. C'est lui là qui parle. C'était bruyant. Ensuite, j'ai continué de me balader. J'ai vu des librairies, plein de livres. J'avais envie de tout acheter. J'avais l'impression d'être dans des souterrains, alors ça me faisait rire. J'ai revu mon copain l'ours. Coucou toi. J'ai visité. C'était absolument sublime. Je veux ce fauteuil. Je suis partie. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette petite promenade littéraire avec moi vous a plu. Et puis à très bientôt pour d'autres promenades littéraires.